Bienvenue sur Info Express, votre source d'actualité fiable et percutante. Aujourd'hui, deux sujets brûlants en une seule vidéo captivante. D'un côté, Kara Dine Zetchi, l'ancien président de la Fédération algérienne de football, placé en détention provisoire pour corruption. De l'autre, des propos controversés de la députée Sarah Knafo, qui ravivent les tensions historiques entre l'Algérie et la France. Restez avec nous pour tous les détails et analyses. Kara Dine Zetchi, la chute d'un dirigeant emblématique. L'ancien président de la FAF, Kara Dine Zetchi, est désormais au centre d'une tempête judiciaire. Placé en détention provisoire à la prison de Kolea ce 27 novembre, il est accusé de graves infractions. Dilapidation de deniers publics, abus de fonction, octroi d'avantages injustifiés. Ces accusations s'inscrivent dans une vaste enquête judiciaire ouverte depuis juillet, impliquant 14 personnes, dont d'anciens dirigeants de la FAF et plusieurs responsables techniques. Les investigations couvrent notamment les primes distribuées après la victoire de l'Algérie à la CAN 2019, les dépenses exorbitantes pour l'organisation de la CAN U17. Cette affaire met en lumière des pratiques de gestion douteuses qui auraient entaché la Fédération algérienne de football entre 2017 et 2023. À l'heure où le football algérien rayonne sur la scène internationale, ces révélations ternissent son image et suscitent des interrogations profondes. Sarah Knafo, des propos qui choquent. Pendant ce temps, une déclaration lunaire secoue les relations algéro-françaises. Sarah Knafo, députée du parti d'extrême droite Reconquête, s'est exprimée dans un entretien aux médias Causeur. Ses propos, une attaque directe envers l'Algérie. Elle prône un divorce définitif entre la France et l'Algérie. Elle réhabilite le discours sur les prétendus bienfaits de la colonisation. Knafo n'hésite pas à minimiser les horreurs de la colonisation, évoquant au contraire des richesses inestimables laissées par la France à l'Algérie. Ses propos, imprégnés d'un mépris colonial, ravivent des blessures historiques et ne font qu'exacerber les tensions diplomatiques. L'acharnement de Sarah Knafo, pourtant issue d'une famille séfarade marocaine, soulève des questions sur l'instrumentalisation de l'histoire pour alimenter une rhétorique populiste. Ces deux actualités nous rappellent l'importance de la transparence et de l'honnêteté, que ce soit dans la gestion des institutions ou dans les discours politiques. Que pensez-vous de ces événements? Laissez-nous vos avis en commentaire. Abonnez-vous à Infos Express pour ne manquer aucune analyse des grands sujets d'actualité.